Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de ma carrière joueur. Et aujourd'hui, assez spécial parce que c'est le dernier épisode de la première saison, on va dire, en tant que joueur professionnel à Venise. Et franchement, on démarre plutôt bien cette vidéo parce que comme vous le voyez, on est premier. Lors de la dernière vidéo, ça s'était super bien passé. Avec un enchaînement de victoires qui nous a fait tout simplement être premier. 4-1 face à Pise, 3-2 face à Parme et 5-1 face à je sais plus qui c'est ce club malheureusement, mais je sais qu'ils avaient gagné, il me semble, Cagliari ou alors un match nul. En tout cas, ça nous fait être premier aujourd'hui. Beaucoup de buts de mon côté, ce qui fait que au niveau des classements buteurs, je rafale tout le monde. 37 buts en 35 matchs, le record de buts qui a été battu, vous le voyez là, c'était 35. Et bien franchement, on va l'enfoncer encore plus. On a 3 matchs pour le faire, pourquoi pas atteindre les 40, ce serait déjà formidable, même si c'est déjà très très bien comme ça. On va tout d'abord s'entraîner, ok, on l'avait fait, donc nickel. On va juste continuer alors. En tout cas, j'espère que vous, ça va les gars. N'hésitez pas déjà à liker cette vidéo, à commenter et à partager. Ça ferait super plaisir. Et surtout, vous abonner. On approche des 1000 abonnés à grands pas. La Ligue des Champions, bon, malheureusement, on n'en fait pas partie. En tout cas, très grosse rencontre pour un premier match. Bari, parce qu'on n'est pas du tout assuré de terminer premier. Regardez-moi cette course folle. Venise. Venezia, pardon, je vais la refaire, 69 points. Genoa, 68 points. Bari, 67 points. Et Cagliari, 66 points. On va avoir du suspense jusqu'au bout. Sortez les popcorns parce que là, ça risque d'être incroyable. On commence par affronter les troisièmes. À nous de les gagner pour prouver qu'on a notre place ici. Juste un match nul, ça serait catastrophique dans ces trois derniers matchs. D'ailleurs, je n'ai pas montré. Il me semble. Hop, calendrier. On a d'abord Bari, ensuite Brescia et ensuite Benevento pour conclure cette saison très longue et très bien jusque-là en tout cas. On verra comment ça va se passer. On y va les gars. On a Redan en attaque et de retour. Putain, dommage pour Novakovic que j'aimais beaucoup. Bougio qui est présent. Juronen au cage. Et de leur côté, c'est à peu près la même compo que nous. Ok, en 4-1-2. Ok, écoutez les gars, on va y aller. Il nous faut cette victoire vraiment face à Bari. Je ne sais pas si on les avait gagnés à l'aller. En tout cas, il y a du monde qui va se ramener. Ça m'étonne pas, c'est la fin de saison. Et c'est là que tout se joue. La course au titre, folle. Jusqu'à la fin, franchement, ça va être incroyable. Posez-vous les gars. Et on va essayer de gagner sous cette pluie. On est à domicile. Et on est parti. Attention, il est seul. Ça va frapper. C'est ce qu'on n'aime pas. Il me la remet. Pourquoi pas? Je tente l'enrouler. Elle est lointaine. Passe jetée. Passe jetée là-dessus. Et la belle envolée. Ok. Fin de cette première période, les gars. Franchement, très 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 peu d'occasions. Bizarre, on dirait qu'on reste en place un petit peu, ou je sais même pas si c'est ça vraiment. Je sais même pas s'il y a eu 4 tirs dans cette première période, on va voir ça. Putain, j'aurais dû regarder les autres résultats, malheureusement. J'esquipe. 8 tirs, ouais, franchement, putain, j'ai pas vu de gros tirs, mis à part la claquette à un moment du gardien. Bon, ça doit être des tirs un petit peu aléatoires. Ok, le petit décalage dans le trou. Allez, allez, Redan! Oh, il lui met, putain, dommage, c'était bien tenté, mais je pense que la frappe aurait été mieux. C'est pas fini, on va essayer de voir pourquoi pas construire quelque chose là-dessus. La passe en une touche, oh là là, et le bel arrêt. Faut faire gaffe, non, ça va frapper, oh là là, il a... Oh, penalty, penalty complètement mérité. Je ne sais pas ce qu'il fait Antonio Candela. Pourquoi le tacler? Déjà, quelle défense, on va revoir ça, franchement. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Franchement, j'en sais rien ce qu'il fait. Est-ce qu'il va la sortir? On voit même pas. C'est trop mal fait. Il a même pas plongé. Au moins, c'est réglé, les gars. 1-0.
c'est ou on active le réveil directement ou alors c'est terminé pour nous. Putain, c'est dommage hein, de pas y aller alors qu'il partait du bon côté en fait. Non. Oh putain. Quel arrêt. Oula, la blessure du capitaine. Putain, franchement, c'est. Quoi? Il me fait sortir? Mais comment ça? Pourquoi? Mais vas-y, allez, on va voir ce que vous allez faire sans moi en 10 minutes. J'ai hâte de voir. Hein. Parce que vu les ballons que je reçois. Oh là, la défaite 3, hein, magnifique, les gars. Eh ben, on va passer quatrième, hein, ça c'est sûr et certain déjà. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein, on n'a rien foutu, j'ai jamais vu ça. C'est fou d'être autant inconstant. Je comprends pas. Je comprends pas. Et ouais. Alors, troisième, on est, mais bon, quelle chance. Il y a juste Cagliari qui a pas gagné. Et on est du coup à 1 point de Bari, deuxième, et 2 points de Genoa, premier. Franchement, les gars, compliqué hein, cette affaire. Compliqué, compliqué. Ça va jouer vraiment au bout du bout. Mais là, très mauvaise opération de notre part. J'ai dû faire un tir dans le match. N'importe quoi. Franchement, faut mettre les bouchées doubles là-dessus. Ok, on joue tous en même temps. Et on va affronter du coup Boleskia qui sont dans les derniers j'imagine, non? Ok, 8e, c'est du milieu de classement. On va voir ça les gars, on y va directement. Franchement, je pense que va falloir mettre les bouchées doubles. Allez, on simule jusqu'au match les gars. Franchement, ça va être compliqué comme on l'a dit, mais va falloir tout donner. En plus, le capitaine qui s'est blessé 2 mois. Je crois que c'était lui, non, qui devait mettre fin à sa carrière. Je sais pas du tout si c'était lui, franchement, c'est dommage. Est-ce qu'on joue tous en même temps? Non. Genoa a joué et a perdu. Putain, ça, c'est très bien. Enfin, il me semble. Hein. Ok, ouais, ils ont perdu 2-1 face à Modène. Moderne. Ouais, Modène. Ok. Et du coup, il nous faudrait une victoire au minimum pour passer deuxième. Et on peut même passer premier si Barry se trouve. Mais pour ça, victoire obligatoire. De toute façon, franchement, si on les gagne pas, les deux derniers, on n'a rien à faire. En premier, en tout cas. 37 buts, bon, ça, on s'en fout. Maintenant, le personnel, c'est acquis. Il faut le collectif. Et pour ça, ce serait incroyable de remporter le championnat. Qu'il faut pour moi, ok, ben, je vais essayer de tout donner parce que j'ai pas été bon. Bon, après, j'avais pas les ballons, les gars, mais allez, non, ça sert à rien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La petite semelle, je la remets à Bougio qui me la remet, qui me la remet très bien, même la frappe et elle passe pas loin. La petite récupération, pourquoi pas? Super, bien, super. Je la prends en extérieur et c'est passé. Je l'ai peut-être un petit peu volé. Augusto, mais je sais pas, je la sentais très bien. Il me l'a remise. Ouais, en vrai, non. Je pense que j'ai bien fait à lui demander. Et après, l'extérieur, elle est magnifique. Le gardien qui est aux fraises fait n'importe quoi. Tant mieux pour nous. Il nous faut des buts et il nous faut des victoires. Ok. Je me l'emmène un petit peu. Je me l'emmène un petit peu. La petite passe, c'est très bien fait. Allez, faut le mettre. Faut le mettre les gars, super. 2-0 en 18 minutes. Là c'est très bien. Là c'est Venise. Bien joué Redan. Je doutais de toi, mais tu m'as fait taire. Super, on va le revoir. J'ai pas trop vu une fois que j'ai fait la passe parce que la caméra était encore centrée sur moi. Donc là je la remets. Avec L2. Il le trouve très très bien, Gusto. Et quelle passe il a. Il a fait un mini centre et du coup, ça. Ça a permis de passer le défenseur qui a pas compris. On peut jouer. Ok, c'est pas fini. Encore, Redan. Bien joué. Bien joué. Oh, elle passe pas loin. J'ai voulu feinter un petit peu avec une frappe subtile. C'est pas passé. Allez, j'y vais. Par-dessus. La défense pour Redan. Il est pas hors jeu. Putain. Je m'appuie. Je vais repartir derrière. Bien joué.
Bien joué. Le ballon subtil, les gars. C'est très bien fait. Ça nous permet de mettre ce troisième but. Très important pour montrer qu'on est au-dessus. Bien joué, Redan. Je me suis bien battu après avec le physique. Et là, la frappe à terre, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Ok. Pas mal du tout, franchement. Et du coup, je sais pas si on a 38 ou 39 buts cette saison. Ah ouais, 39. Ok, j'ai. Pourquoi pas. La frappe puissante, la belle envolée du gardien. Allez, je sais pas pourquoi. J'ai envie de me la tenter. Ok, pas du tout. Elle est partie dans les nuages. En tout cas, on mène 3-0, les gars. Enfin, ça fait plaisir. Et enfin, là, je sens que on est au-dessus d'une équipe. Surtout dans cette dernière vidéo, c'est important. Les scores pour le moment à la mi-temps, on a Bari qui perd 1-0. Ça, c'est très très bien. Cagliari qui perd 1-0, ça c'est super bien. Et du coup, les autres, je sais plus qui c'était. Genoa, ouais, voilà, ils avaient déjà perdu. Du coup, à nous de faire le taf. Pour l'instant, on le fait. Attention, leur première occasion du match et c'est le montant qui nous sauve. Super. Je tente le centre à terre. Je le sens bien. Oh là là, il était magnifique. Ça passe. Malheureusement au-dessus. Bien joué. Superbe. Encore. Encore. Attention. Ça va frapper, c'est sûr. La belle détente du gardien qui nous sauve. Allez. Pourquoi pas. En profondeur. Je l'ai très bien vu. 4-0. J'offre une petite passe D. En plus de mon doublé. Incroyable. Franchement, c'est facile ce match, les gars, je vais pas vous mentir. On dirait que c'est en pro, on a tous les ballons de la tête. Franchement, ça change tout, c'est sûr. Hein. Oula, putain, il y avait peut-être une dernière occasion de mon côté. En tout cas, ça n'enlèvera rien au fait qu'on les a détruits. 4-0. Et franchement, les gars, sans forcer, on aurait pu en mettre 6 ou 7, je pense, tranquille. On va voir de toute façon au stade. 2 buts, une passe D pour moi. 1 but, une passe D pour Edan. Franchement, c'est top pour la paire d'attaquants. Voilà, les gars, franchement, 21 tirs à 4, 65 de possession. Franchement, si on a même la possession, c'est vraiment qu'on était largement au-dessus. En tout cas, Ternana qui s'est imposé face à Bari. Je suis homme du match. Et Cagliari qui a fait match nul, je crois. Donc, au classement, voilà, c'est ce que j'allais dire. On devrait être premier. À nous d'assurer maintenant ce dernier match. On est à 1 point du Genoa. 2 points de Bari. Et par contre, Cagliari, c'est mort pour eux. Ça, c'est sûr. Donc déjà, on va s'entraîner. Comme d'habitude, ce serait bien. Ouais, je pense qu'on va avoir des points de compétence. Putain, non. De peu. C'est pas grave. Ok. On va simuler pour ce dernier match. Faut assurer, hein, les gars. Ce serait incroyable d'avoir ce titre. Le match du titre, il est là. Il nous faut absolument la victoire, je pense. Pff, putain, la pression, ils ont tous joué sauf nous. Regardez, on est assuré de finir minimum second, parce qu'on est au-dessus de Bari et Cagliari. Mais par contre, victoire obligatoire pour le titre de série B. Dans tous les cas, on monte, mais on est des challengers, on veut ce titre, les gars, on va pas partir sans le championnat. Face à Benevento, en plus Benevento qui sont dans les dans le milieu de classement, ça doit être, ouais, voilà, 13e. Eux, ils ont rien à jouer, ça c'est sûr, mais va falloir assurer. On est le dernier match de la saison. Incroyable, ça s'annonce très très fou. On est parti, les gars, dernier match pour le titre. Allez, le match du sacre, les gars, regardez-moi. Tous les supporters qui arrivent. Ça fait du monde, ça risque d'être rempli. Benevento, comme on l'a dit, ils ont rien joué, mais je pense qu'ils vont, nous faire chier. C'est même sûr. Faut qu'on assure. Petit tifo de Benevento. Putain, c'est à l'extérieur. Ça, c'est dommage, par contre. Hein. Que ce soit pas à domicile. On les aurait détruits à coup sûr. Là, j'ai peut-être un tout petit peu de doute, mais il faut pas en avoir. Faut être sûr de soi pour gagner ce genre de match. On va simuler. Hop.
On est parti les gars, dernier match de la saison, match du sacre. Attention, la frappe lointaine. Oh là là, la parade du gardien, les gars, on peut pas le décevoir. Ce qui sort là, c'est un truc de fou. Attention, non, c'est passé, gardien. Putain. Oh la catastrophe. Le pire scénario qui est en train de se réaliser là. On est en train de perdre face à Benevento. Le dernier match de la saison. Et je l'avais dit, les petits espaces. Là, franchement, je comprends pas comment il peut être seul. Regardez ça, tout le monde s'en va. Le 55, on sait pas ce qu'il fait. Et du coup, dans la logique des choses, ça fait le but derrière, pardon, putain. On s'appuie. C'est très bien fait. C'est une 2 qui est passée. Allez, allez, là j'ai du champ. Là j'ai du champ. Là j'ai du champ. Je m'appuie en retrait. Je sais pas si c'était la meilleure des solutions. En tout cas, il est tout seul. J'y suis encore. Bien joué Gusto. La frappe. Oh, il aurait fallu me la décaler plutôt. Bien joué. Encore. La frappe pour l'égalisation. Quel arrêt. Pourquoi pas remettre dans le tas. Ok. Bien joué. Oh, j'y suis pas. Non. Putain, il doit avoir un millimètre sur ce hors-jeu. J'avais déjà placé ma frappe. C'était dedans, je pense. En tout cas, on perd 1-0. On s'est bien repris en fin de première période, mais va falloir encore augmenter ce qu'on fait parce que c'est pas assez. Il faut passer cette seconde pour gagner ce titre. C'est bien, c'est pas mal. Ok, la récupération. Je m'y attendais pas, faut finir. Oui, Redan qui marque exactement quand il faut et qui vient nous offrir pour l'instant ce match nul. Il nous faut encore un petit but. Putain, j'étais dégoûté qu'il m'ait pas trouvé. Mais alors, quelle récupération. Il s'est arraché derrière et il arrive en plus de ça. Très bien placé son ballon, plat du pied. Le gardien qui est battu, pourtant il était à 1 mm de l'attaquant. Redan qui nous relance, les gars, on est reparti. Non, les gars, regardez, il part seul. Faut la récupérer. Faut la récupérer, cette balle, et pas se prendre des frappes alors qu'il reste 13 minutes. Allez. C'est pas fini. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, mais les gars, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait là-dessus? Pourquoi la mettre? Mais pourquoi? Il voit que je suis pris. Il tente quand même la passe. Oh. Ah, c'est n'importe quoi. Oh. Ah, vas-y, c'est grave. Oh. Pas. De se faire anéantir les espoirs comme ça, c'est... C'est dégueulasse. Dégueulasse. Non. Et je sors en plus. Mais c'est vraiment la blague de l'année. Hein. C'est la blague de l'année. Franchement, je simule, bats les couilles. Sérieux, mais sérieux. De perdre ce match, c'est grave. C'est grave. On prendra pas de titre, du coup. Ah ben là, c'est mérité ce qui nous arrive. On n'aura pas le titre. On montera, mais franchement pas avec le sourire au vu de ce qu'on aurait pu faire cette saison. Et voilà, du coup, le classement final à 2 points du Genoa. On s'est tué tout seul, c'est vraiment dommage. Félicitations, il mérite. Hein. On a fait 10 défaites, et on mérite d'être ici. Clairement. Et vraiment, c'est embêtant. Franchement, j'ai cru en plus fin de première période. On a eu quelques occasions. Malheureusement, je jouais pas toujours très bien les coups. Et ça finit du coup avec une défaite à cause d'une perte de balles. Encore une perte de balles d'ailleurs. Très logique. Mais voilà les gars, pour cet épisode, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on choisira mon club dans l'épisode 12. N'hésitez pas à me donner des idées. Mais bon, de toute façon, on verra au vu des offres. Mais je pense que je vais partir, c'est quasi sûr. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, vous abonner. Vous connaissez tout ce qui s'ensuit. Merci à tous et à la prochaine.